Est-ce que vous pouvez me conjuguer le verbe pleuvoir au présent de l'indicatif? Le verbe pleuvoir? Ouais, à l'indicatif. C'est pas un verbe pleuvoir. Comment ça, c'est pas un verbe? C'est un verbe. Pleuvoir. Pleuvoir. Je veux plus. Oui. Ah oui, non. Vas-y, conjugue. Ben non. Non, c'est pas un verbe. On se dit pas je pleu, tu bah pleu. Oui. Ça se dit pas. Ah ouais? Bah oui. Et vous conjuguez le verbe neiger? Neiger? Oui. Mais ça n'existe pas non plus. Non, bah. Quelle indignité. Ah non? Je neige, tu neiges. Ça marche pas. Donne-nous un truc simple, comme manger. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Ok, le verbe manger à l'imparfait. À l'imparfait. C'est quoi l'imparfait? Je sais pas ce que c'est imparfait. Vas-y, dis-le. Bah, manger. Aïe. Non, ça c'est présent. Aïe, aïe. Et toi, vas-y. Moi. À l'imparfait, je mangeais, donc je. Non, je mange, donc mange, ça bouge pas. Tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, donc mange, nous, c'est. Alors, manger, c'est EZ. Nous, c'est ONT. Vous mangez, ouais, c'est bon, c'est EZ, on l'a dit. Il mange, c'est ENT à la fin. Et ça, c'est à quel temps? À l'imparfait, ça. Vas-y, toi. Ah, parfait, il a dit. Tout simplement une hallucination collective. Ok. Et toi, conjugue le verbe manger à l'imparfait. Moi, je vais devoir y aller. Il y a mes copains là-bas. Moi, je vais devoir y aller. Ah ouais. Non, aller. Tu manges, c'est du présent. Donc, c'est tu manger et à la fin, c'est haïté. Ça va pas. Camomille. Mais c'est juste insupportable. Camomille. Arrête. D'accord, pas de soucis. Moi, je vais devoir y aller. Ça marche. Vas-y, moi, je continue si tu veux. Salut. À plus. À plus.